Excusez-moi, j'étais obligée de couper et relancer parce que je n'ai pas mis le téléphone sur silence aussi. Excusez-moi. Partage, on envoie les cœurs, s'il vous plaît. Dès qu'on atteint un nombre, là, je commence. Excusez-moi, j'étais obligée de couper et relancer. J'avais aussi un appel. Bonjour, 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 bonjour. On partage, on envoie les cœurs, on partage. Merci pour les cœurs, merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci pour les étoiles. On partage, on envoie les cœurs parce que je parlais du sujet de Michel Essomba et de Antoine. On partage, on envoie les cœurs. Dès qu'on atteint un nombre, petit nombre, vous savez que c'est. Les gens sont au boulot. Ils vont suivre après. Mais. Et partager, pardon. Dès qu'on atteint notre petit nombre là, que j'aime là, je commence. En attendant, on se concentre. On ne met pas les ongles. On ne se coiffe pas. On reste naturel. Jusqu'à après le deuil. Là. Parce que le deuil, là, c'est le deuil des stars. Faut que je cherche mon kabangondo. Il faut que j'aille fouiller dans les valises là-bas. C'est un peu le kabangondo, porte le jean. Porte le jean et une chemise. Ou un polo. Non, chemise. Oui. Eh bien, noir, noir. Pourquoi pas me mettre un pull comme ça, moi aussi, non? Pantalon noir, comme je suis là, non? Je m'habille comme ça, là. Je mets le foulard sur la tête. Encore un peu, partagez encore un peu. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Ndolé Miondo. Ayo, ate, ayo, ate, ayo, ayo. Vous me devez mettre un peu mon Emile Kangé, non? Autant que vous partagez, non? Bien. Ou bien on écoute d'abord les voix, pourquoi pas? Hein? On peut d'abord écouter les voix. On peut d'abord écouter les voix. Il y a les voix, ils sont pour aussi écouter. Pourquoi pas? Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour à la tête cassée. Bonjour aux abeilles. Bonjour aux sympathisants. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. Pardon, excusez-moi. Je viens de manger l'omelette là. Bon, on a quand même atteint le nombre quand même. Hein. Donc je peux parler parce que vous savez que là, en ce moment, les gens sont au boulot. Les gens sont occupés. Ils vont venir sur le soir. Voilà. J'ai un peu écouté de gauche à droite. J'ai écouté un peu les directs de gauche à droite. J'ai pas tout écouté parce que moi, je suis devenu un poulet de ferme, comme je vous dis tout le temps. Je dors tôt. Donc j'ai écouté le direct des Ténébreux, que j'ai pas fini la dernière fois. J'ai écouté le direct des Ténébreux. Je suis même pas resté longtemps parce que
Quand on m'a envoyé ça, j'ai vu ça en différé. Donc, j'ai écouté ce qui m'intéressait, l'essentiel, ce qui m'a intéressé dans le direct. J'ai écouté un peu le direct d'Antoine hier. Je n'ai pas tout écouté parce que c'était très très long. Parce que quelqu'un, lui, peut parler même 5, 6 heures de temps. Hein. Parce que je me rappelle quand il avait souvent les points avec sa femme, je pouvais rester avec eux au téléphone des heures et des heures parce que lui peut parler pendant, il a le souffle. Donc, j'ai écouté un peu comment est-ce que je fais un peu de genèse. Vous savez, je suis une personne dans la vie, je ne suis pas une ingrate. Je ne suis pas une ingrate. C'est moi qui présente Michel à Anne. Et c'est bien, elles deviennent des meilleures amies. Elles fonctionnent ensemble, elles sont des copines, qui est très bien, qui n'est pas méchant. Comme je dis toujours, quand on va me demander, tu as eu tel point et telle personne par rapport à quoi, je vais toujours m'expliquer. Je tiens déjà à rappeler ici que Michel Essomba ne m'a jamais, au grand, je vais me répéter sur ça tout le temps, au grand jamais payé pour clasher qui que ce soit. La personne qui va venir me prouver le contraire, je me déconnecte de Facebook. Oui. La personne qui va venir me prouver le contraire, je me déconnecte de Facebook. Que Michel, ou que moi j'ai un jour dit à quelqu'un que Michel m'a payé. La personne me prouve ça, je me déconnecte de Facebook. J'ai rencontré Michel la première fois après que je commence à intervenir pour elle. Je commence à intervenir pour Michel. Ça va être long, hein? J'ai le temps. Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont à la pause, viendront écouter après. Ils sont obligés de faire d'abord cette petite genèse. Quand je rencontre Michel la première fois, avant que je ne commence à intervenir pour Michel, je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas Michel, ni d'Adam, ni d'Ève. Jamais. Je ne l'avais jamais vu. Je ne la connaissais pas. J'entendais seulement sur les réseaux sociaux Michel, 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 Michel. J'ai acheté son problème. J'ai commencé à intervenir pour elle. Peut-être c'est aussi mon introduction sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je me suis introduit dans les réseaux. Je commence à intervenir pour Michel. Je me bats corps et âme. Matin, midi, soir. Je tiens vrai, vrai. Je bagarre pour Michel. Dès que quelqu'un dit que mouf Michel, je sors comme une panthère. Après, je rencontre Michel dans une soirée. Elle m'offre, elle me dit, ah, merci. C'est toi qui fais les vidéos pour moi et tout. Elle était reconnaissante. Et c'est très bien. Elle a été reconnaissante. Elle m'a dit merci. Elle a envoyé qu'on me donne une bouteille de champagne. J'ai dit merci et tout. Après, on a commencé à parler. On s'est échangé les numéros. On a commencé à parler. Mais on n'a pas été amis par rapport à que vas-y, prends, va. Non. Je ne connaissais pas Michel quand j'intervenais pour elle. On ne se parlait pas. On ne se connaissait pas. Donc, si même son mec. Lui, il est venu après, bien après. Donc, c'est comme ça que je commence à intervenir. J'interviens pour elle, j'interviens, j'interviens. Je commence. On devient maintenant on devient proche. Ça devient mère et fille. Parce que moi, je l'ai toujours appelée ma fille. Ça devient mère et fille. Au point où il y a un lien entre nous. Sa grande soeur même a été reconnaissante. Sa grande soeur a dit vraiment, si tu n'avais pas été là, vraiment, Michel sera déjà fini aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Merci, on te dit merci pour tout ce que tu as fait. Bon, j'ai fait parce que je suis venu. Michel ne m'a pas dit viens. Je suis venu de moi-même. Elle m'a pas dit s'il te plaît, viens. Non, elle est forte pour se faire ses postes. Elle fait ses postes. Et c'est comme ça que, bon, on a tissé un lien. On a commencé à être proches. Et je lui donne la petite Noé, dont elle est marraine de Noé, par rapport aux affinités qu'on avait déjà. Et Michel n'a jamais été ma copine. Michel, c'est comme une enfant pour moi. Enfant ne veut pas dire que tu as poussé. Je l'ai pris comme un enfant. Donc, je l'ai mis sur mon épaule, que je t'épaule. Moi, je vais t'aider. Aider ne veut pas toujours dire donner l'argent ou quoi que ce soit, non. Donc, Michel. J'ai une partie de reconnaissance avec elle, de reconnaissance avec elle. Donc dans la vie, pensez au bon moment que vous avez passé avec certaines personnes.
Ne pensez pas seulement au mal. Est-ce que je suis contente du fait que Michel soit parti passer dans le direct des ténébreux? Non. C'est la plus grosse erreur qu'elle a faite. Et si aujourd'hui là, tout le monde se permet de venir lyncher Michel, c'est parce qu'elle est passée chez les ténébreux. Oui, il faut qu'elle assume ça, que elle n'aurait pas dû passer là-bas. Moi-même, j'étais venu vous dire ici là que Michel a parlé avec ces filles-là. Quand j'étais à l'hôpital, elle a parlé avec quoi, coucou? Donc, s'ils l'ont enregistré, parce qu'elles m'ont appelé, elles ne m'ont pas caché. Michel et Anne m'ont appelé pour me dire que elles ont appelé parce que leur nom commençait déjà à sortir dans les clashs des ténébreux. Donc, quoi, coucou, voulait me courir la tête avec eux. Comme elle voyait que j'étais avec eux, avec Anne et Michel, elle a voulu me coiner les têtes avec eux en partant dire que moi j'ai parlé d'eux. Donc, commencez à dire que, oh, Compresso avait parlé de vous, que, écoutez bien. C'est comme ça qu'elles prennent leur téléphone, elles appellent pour dire que, bonjour Lisette, elles appellent maintenant, quoi, coucou. J'ai parlé et je leur ai dit. Que quoi, coucou, vous a enregistré. Ça, je vous dis. Donc, si vous avez parlé n'importe quoi là-bas, c'est votre problème. Je vous dis qu'elle vous a enregistré quand vous l'avez appelé. La raison qu'elles m'ont donnée, c'est qu'elles ont appelé quoi, coucou, parce que quoi, coucou était en train de me faire chanter en disant que moi, je l'ai appelé en vidéo, je lui ai montré mon ventre, je lui ai montré ma cicatrice, je lui ai montré mon opération nue, j'ai montré les couches. Tout ça là, moi quand je suis à l'hôpital, est-ce qu'on met les couches quand on est à l'hôpital? Que j'ai monté tout ça et qu'elles ont, elles ont les captures. Donc, elles sont parties appeler pour calmer la situation et qu'elles arrêtent de parler d'eux parce qu'elles disent qu'elles ne sont pas, elles ne veulent pas leur nom sur les réseaux. Donc maintenant, quand elles ont parlé là-bas, là, je n'étais pas là. Mais elles m'ont prévenu quand même qu'elles ont appelé Kouakoukou. Et je leur ai dit que Kouakoukou vous a enregistré. Et ça a duré 2 jours. Kouakoukou est venu dire que Anne l'a appelé et Michel. Ils l'ont appelé en conférence. Ça, elles m'ont dit, elles ne m'ont pas caché. Elles m'ont dit. Maintenant, je suis couché, on m'appelle que voilà Michel qui est là-bas chez les ténèbres. Avant, ça, là-bas, on me dit que mais il y a une vidéo qui est sortie, que il y a une réunion à Rouen. Michel est venu, machin. Michel m'avait prévenu qu'elle venait à la réunion. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est que je viens à la réunion, je viens chercher l'enfant pour aller me balader avec l'enfant et je vais dormir avec l'enfant. C'est tout ce qu'elle m'a dit concernant mon fils, essaye d'appeler mon administrateur là, que s'il y a un faux commentaire là, que ce soit ma mère qui commente mal là, qu'on bloque. Moi, je ne veux pas qu'on m'insulte. Que quelqu'un ne m'insulte pas. Que quelqu'un ne m'insulte pas. Je vous dis d'abord, que personne ne m'insulte. Écoutez ce que je vais vous dire. Maintenant, celui que ça va intéresser va faire on dit quoi? Peser le pour et le contre. Laissez-moi m'exprimer. Je vois, on a mis la tête de moi sur un commentaire. C'est-à-dire que la personne ne parlait pas bien. Donc, c'est comme ça que elle me dit que voilà, je viens à la réunion. Je viendrai chercher ma fille. Je vais dormir avec elle. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Et j'ai les preuves. Elle n'a même pas vraiment parlé avec moi. La personne avec qui elle parlait, c'est Noé Gamou. Elle a dit qu'on l'appelle plus Gamou. Elle parlait avec eux, la petite, et s'envoyait les voices. C'est là dans mon téléphone. Elle s'envoyait les voices, les deux. Finalement, elle n'est pas venue. Elle a laissé un message à Noé que voilà mon bébé, je n'ai pas pu être là parce que j'ai eu un empêchement. Noé a dit d'accord. Elle a dit bon, que maman t'amène au McDo, je vais donner l'argent à maman, maman va t'amener au McDo. Elles ont parlé toutes les deux. Donc, que la réunion s'est passée comment, que la réunion ne s'est pas passée comment, je ne connais pas. C'est après, le lendemain, que je vois chez les ténébreux, on dit qu'il y a la vidéo, qu'il y avait la réunion, il y avait l'anniversaire. Comme moi, je sais qu'ici, à Rouen, tous les gâteaux, des jolis gâteaux, que même pour mes anniversaires, l'anniversaire de Noël, tout ça, c'est Michel qui commande. Elle a le numéro de la dame qui fait les gâteaux. J'ai vu ça. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois que Michel, c'est faux. Ce n'est pas Anne qui a commandé ce gâteau. C'est toi. Parce que je sais que c'est elle qui connaît. Mais elle m'a expliqué. Elle m'a dit non. J'avais donné le numéro à Anne pour
commandé pour le gâteau. Quand on était venu livrer pour le gâteau de Anne, vous vous rappelez la nuit en blanc? C'est Michel qui avait offert le gâteau. Et Michel m'a toujours dit, quand j'offre à quelqu'un, j'offre par rapport à toi, parce que c'est ta relation. C'est comme ça qu'elle a passé la commande du gâteau. Et quand on vient te livrer le gâteau, soit tu as le numéro de la personne qui vient te livrer le gâteau, parce qu'il faut qu'on t'appelle pour te livrer ton gâteau. Donc, je vois la vidéo, il y a une personne dedans que je n'aime pas. Pour dire la vérité, je ne l'aime pas. Et je ne peux pas l'aimer parce qu'elle a trop menti sur moi. Donc, je ne pourrai jamais l'aimer. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Quand je t'aime, tu vas me mettre la tête, est-ce que tu vas me mettre la tête dans le trou que je veux te fuir. Mais tant que je vois que je respire encore, je fais encore comme ça. Donc, cette personne, la troisième personne qui était dans cette réunion, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Cette personne-là, je ne l'aime pas. Donc, ce qui fait que quand j'ai vu ça, j'étais choquée. C'est là que je vois Nicole d'accord ouvert qui fait un direct pour parler de cette vidéo. C'est là qu'elle dit que, hey, c'est quoi ce truc-ci? Je vois les ténébreux sont en train de se moquer de moi. Que, wow, tu étais où? Le morgue, tout le monde fait les directs. Que, wow, tu étais où? Ta fille, donc, que tu dis que ta fille, elle a fait l'anniversaire, tu étais où et tout. Je prends un peu du recul et je dis, mais qu'est-ce qui se passe même au juste? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? C'est comme ça que je demande à Nicole. C'est à Nicole que j'ai demandé de m'envoyer la vidéo là. Je regarde la vidéo, je vois que Michel est un peu gêné. Elle est toujours en train de tourner la tête. Elle n'est pas souriante. Parce que quand on fait les vidéos, maman, comme j'étais à l'anniversaire samedi chez ma grande soeur là. Vous avez lancé le direct, nous tous, tout le monde était. Je vois qu'on a fait les vidéos. Elle est un ja. On considère quand même que elle n'a pas trop envie de sortir dans cette vidéo. Mais ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc c'était prémédité. C'était pour me provoquer. La vidéo où on dit que merci pour les étoiles, que le Seigneur te bénisse et qu'il continue de t'envoyer encore, que ça se multiplie. Vraiment, je ne veux pas me déconcentrer. La vidéo qu'on dit que Michel a envoyée, là d'où. Si tu, parce que je n'ai aucun problème vraiment avec Anne Océlée. Je n'ai vraiment pas de problème avec elle. Le problème que j'ai avec elle, c'est la vidéo de mon mec qui se retrouve sur les ténébreux. C'est ça que moi je reproche à Anne. Il n'y a pas deux choses que je reproche à Anne. Je ne peux pas reprocher à Anne qu'elle est venue s'asseoir ici où. J'étais malade, j'ai marché et elle a vu peut-être mes fesses. Elle allait dire non, ça je peux pas la reprocher ça. C'est la vidéo qui n'avait pas lieu d'être, qui a été. C'est ça. Parce que maintenant là, qui dit Anne dit l'autre personne que je n'ai pas envie de prononcer, qui que vous connaissez, pas Michel, la troisième personne qui était chez les ténébreux là-bas là. Donc, soit Anne a envoyé aussi à celle-là. Anne dit qu'elle a envoyé à Michel. Maintenant, c'est sa parole contre la sienne. Parce que Anne est amie avec la troisième personne. Pourquoi pas aussi, pourquoi n'a pas aussi pu envoyer aussi à la troisième personne? Parce que la troisième personne, elle est prête à m'abattre s'il faut m'abattre. Elle voit mon poison, elle me donne la preuve. Quand elle fait cette vidéo, c'est pour m'attaquer en disant que tu as pris mon ex, je prends ta copine. Mais Michel n'est pas ma copine. Il faudrait que vous vous mettez bien ça dans le crâne. Parce que c'est le poste qu'ils ont fait, qu'elle a fait, en disant que tu as pris mon gars, je prends aussi ta copine. Non, c'est prémédité. Donc là où ils sont là, c'est-à-dire, ils sont prêts à tout pour que Michel et moi, ou comme Michel aussi, elle est naïve, je vais dire, je ne sais pas si c'est pas ça de la naïveté. Ou c'est elle a été manipulée, ou c'est quoi, je ne sais pas. On me réveille à 1h du matin que quoi, c'est grave. Il y a un direct là-bas chez les ténébreux. Michel est dedans. Tes gens sont dedans. Je dis que quoi? Non, non, Michel ne peut pas être dans les choses là. Laissez-moi ça. Qu'est-ce que vous me dites là? On me dit que oui. Je dis, hein? J'écoute. J'entends comment Michel est en train de valoriser. Sa nouvelle copine, c'est sa copine là-bas par contre. Moi, je ne suis pas sa copine. Et c'est loyal, c'est normal qu'elle valorise sa nouvelle copine. Moi, je suis sa mère, je ne suis pas sa copine.
Je ne marche pas avec Michel. Quand vous voyez, on peut être dans une soirée que j'ai aussi envie de sortir, me dit, bon voilà, viens, on va à la soirée, je pars. Mais est-ce que vous avez entendu que Michel et moi, on monte, on descend ensemble? Jamais. Jamais. Donc, j'entends, ils sont en train d'intervenir. Juste à ce qu'apparemment on appelle, Michel ne veut même pas qu'on appelle même Anne. Mais elle valorise Anne. Elle dit que Anne, c'est sa mère, c'est sa grande soeur, c'est son tout. Ils se partagent beaucoup de choses. C'est très normal. C'est moi qui les ai présentés. C'est moi qui les mets en contact. Oui. Et maintenant, Anne est la troisième personne. C'est des gens que aujourd'hui sont ensemble, demain ils sont plus ensemble, aujourd'hui sont ensemble, demain ils sont plus ensemble. Alors, pour m'énerver moi, pour me choquer, je sais que Anne est capable de faire tout pour que Michel parle avec la troisième personne. Pour dire que comme tu ne veux pas qu'on s'explique, je vais te traiter. Sans savoir que je suis une fille bassard, on ne me traite pas. Moi ça ne me dit rien du tout, je rigole parce que je sais que quand ça va péter, ça va sentir. C'est comme ça que je suis le direct. J'entends que mon entier de rabaisser Michel. On la rend. T'as dit, on lui parle comme si elle était un enfant. Je suis choquée du fait qu'on m'appelle par des sobriquets. Elle ne dit pas que non, ne l'appelez pas comme ça, sinon je sors de votre direct. Comme on dit, quelqu'un qui a de la gnaque, tu dis non. Si je suis dans votre direct, c'est parce que je viens me justifier, parce qu'elle et moi, on s'est expliqué. Hein. On s'est expliqué. Elle venait se justifier du fait qu'on dise qu'elle me recèle, qu'elle me raconte, qu'elle vient me raconter les choses de la réunion. On disait qu'elle et moi, on traite des choses ensemble. Donc, elle venait se justifier. Mais, sans savoir que, en venant se justifier là, elle creusait sa propre tombe. Parce qu'elle a été humiliée dans ce direct-là. Elle a vraiment été humiliée. Est-ce qu'elle venait dans le direct pour me faire mal? Je ne peux pas dire oui ou non. Je ne peux pas vous dire que oui, elle venait dans le direct pour me faire mal. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle était dans ce direct où elle n'avait pas lieu d'être. Parce que si aujourd'hui, il y a toutes ces sorties-là, c'est le fait qu'elle soit allée dans ce direct-là. Si elle n'était pas partie dans ce direct, ça serait passé. Qu'elle soit dans un direct où on est prêt à me donner le poison. Là, c'est très dangereux. Je ne peux pas dire qu'elle a bien fait. Non, elle a mal fait. Je ne suis pas contente d'elle. Je ne suis pas d'accord. Mais on s'est expliqué. Elle et moi, on a parlé. On s'est expliqué. Elle m'a donné sa raison. Et je vais dire aux gens, vous savez, moi, on m'a toujours traité d'ingrate. Je ne suis pas une fille ingrate. Michel. Je connais Michel. Je parle avec elle. Même dans ces moments de tristesse, de douleur, j'ai toujours été avec elle au téléphone. On parle. Quand Michel a commencé à avoir des problèmes avec son mari, je lui ai dit, viens à Rouen. Viens vivre, rester d'abord à Rouen pour t'évader un peu. Parce qu'elle vivait le calvaire. Michel, chaque fois que j'ai eu un problème, ne venez pas dire que oui. C'est l'intérêt que je dis la vérité. Michel a toujours été là quand j'ai eu besoin. Michel a toujours été là quand j'ai eu besoin. S'il fallait que je quitte dans les clashs, Michel sera pour beaucoup. Parce que Michel m'a même payé pour que je quitte dans les clashs. Oui. Michel m'a payé que quitte dans les clashs, ma mère. Je te donne ce que tu veux si tu quittes dans les clashs. Je ne peux pas compter combien de fois Michel m'a fait des cadeaux parce qu'il y a eu un débat. Je ne réponds pas. Elle est contente. Michel n'a jamais aimé. Je veux prendre sa main en témoin. Jusqu'à je me suis même fâché avec elle. Que tu me dis de ne pas répondre par rapport à quoi? C'est vrai, au départ. Je me suis noyé pour elle. Jusqu'à toute la famille a été exposée, oui. Mais elle ne m'avait jamais demandé de venir intervenir pour elle. J'ai pris ma décision toute seule. Mais plusieurs fois, cette fille m'a supplié que pardon, quitte
ne répond plus. Dès qu'elle entend qu'on m'insulte là-bas, elle me dit, on dit que tu ne peux pas partir au pays, que à cause du tchat, tu ne peux pas partir au pays. Va demander le prix du billet, je t'offre le billet, tu peux au Cameroun. Les dons, c'est combien? Tiens, va faire tes dons pour laver ton image. Quitte. Ne réponds plus. Quand j'entends aujourd'hui qu'on dise que elle a payé telle personne pour venir me clasher, ça me fait rigoler. Moi, ça me fait rigoler parce que moi-même, on a eu à dire qu'elle m'a payé pour que je parte clasher. Donc, ce qui fait que quand on vient dire qu'elle a payé pour aller, pour les gens pour venir me clasher, ces gens qui me clashent, ils connaissent quoi de ma vie? Rien. Personne ne connaît rien de ma vie là. Moi, je vous dis la vérité. Même Michel ne connaît pas. Je dis à Michel, je n'ai pas appelé Michel, je dis que voilà, ta fille n'a rien à manger ici là. On fait comment? On fait comment? Ta fille n'a rien à manger parce que voilà, il faut que tu viennes apporter. Voilà les rapports que j'ai avec Michel. Où je lui dis que Michel, voilà, j'ai un petit souci, est-ce que tu peux? Elle me dit oui. Ou elle me dit, ma mère, je ne peux pas, c'est chaud. Voilà nos rapports. Mais sur ce point qu'elle allait passer chez les ténébreux, ma fille, je vais te dire, tu as fait fort. Peut-être que ces gens-là te tiennent. Peut-être que le jour que vous avez appelé ces gens-là là-bas, vous avez parlé quelque chose là-bas là. Et comme je connais quoi, coucou, elle vous tient au chantage avec eux. Mais je ne pourrai jamais, au grand jamais, je dis ça aujourd'hui devant plus de 1000 personnes, traverser ton sang. Je ne peux pas traverser ton sang pour rien au monde. Tu es, non seulement tu es la marraine de Gago, ça ce n'est pas un prétexte, mais dans la vie, il faut penser au bon moment que tu as passé avec quelqu'un et le bien que la personne t'a fait. Je vous ai dit que Anne, je ne pourrai jamais prendre mon téléphone comme ça là. Je viens insulter Anne. Jamais. Moi, j'entre dans tous les directs, les gens qui me soutiennent, je partage les directs de tout le monde. Mais je ne peux pas dire que va insulter feu ou non. Maintenant, si je ne peux pas gérer les humeurs de tout le monde. Je ne peux pas gérer leurs humeurs. Si Michel se décide aujourd'hui qu'elle dit qu'elle veut clasher telle personne, je ne gère pas ses humeurs. Chacun fait ce qu'il a à faire, mais je ne peux pas dire que oui, j'envoie quelqu'un que va faire. Non. Je ne peux pas clasher sur Anne Ocellé parce que j'ai des moments difficiles. Comme je vous dis, elle a été là. Cette femme, j'étais à l'hôpital, couchée sur le lit d'hôpital. C'est là que tu connais qui est avec toi. Elle venait rester des heures. Elle est à son boulot. Elle m'appelle, elle me dit, voisine, je ne peux pas travailler. Elle vient s'asseoir. Elle reste avec moi. Elle oublie même. Il est l'heure déjà de fermer l'hôpital. Elle est dedans. Elle reste avec moi. Je ne pourrai jamais me lever, venir la clasher. Pour rien au monde. Non. Non. Je ne peux pas. Peut-être si elle me clash une fois, je peux riposter. Mais que elle ne m'a rien fait là. Moi, elle vient. Je prends le téléphone. Je commence à la clasher. Comment? Ça a commencé comment que je vais la clasher? Par rapport à quoi? Non. Je prends mes distances. C'est tout. Je reste dans mon coin. Dans le respect. Je reste dans mon coin, dans le respect. Sans l'offenser. C'est comme ça que moi, je suis. Quand je suis fâché de quelqu'un, je ne décroche plus le téléphone. Tu dois comprendre. Donc voilà ça que je vous annonce là, que si tu m'appelles, que je suis fâché de toi, tu as fait quelque chose, tu sais que tu m'as offensé. Si je ne te prends pas une fois, deux fois, sache que je suis fâché de toi. Je ne te prends pas. Donc, je pense d'abord, c'est d'abord ça que je mets devant. Que j'étais dans des moments difficiles. Elle a été là pour moi. C'est pareil que Michel. Michel, je ne sais pas ce qui lui a pris d'aller passer dans le tiret des ténébreux. Mais je ne veux pas vous mentir, mes gens, mes enfants, ma famille des réseaux sociaux. Je ne peux pas cracher sur Michel. Je ne peux pas laisser Michel dans la verdure populaire. Jamais. Vous allez m'excuser. Ça, je vous dis déjà, vraiment, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas. Je ne peux pas venir tolérer qu'on insulte Michel. Ça, mon corps refuse ça. On dit souvent la nuit porte conseil. J'ai réfléchi toute la nuit. J'ai dit non, je ne peux pas voir avec la sortie encore que son ex a fait. Je dis non.
Parce que j'ai connu, je connais leur couple. Ce monsieur, la sortie qu'il a fait, c'était une sortie qui n'avait pas lieu d'être. Et je vais dire ici, j'annonce ici, Michel, tu ne fais aucune sortie. Si tu fais une sortie par rapport à ce gars, je te clash. Oh, ah. Ça, je te le dis. Fais tes posts. Mais si tu prends ton téléphone, tu fais une vidéo ou tu fais un direct, moi, Maliba Perpétue, je déclare ici, je te clash. Une place, il n'y a pas besoin de secours de quelqu'un. Je te clash propre. Tu ne fais aucune sortie sur lui. Tu ne fais aucune sortie sur lui. Ce monsieur, c'est un ingrat. Voilà quelqu'un qu'on peut dire, il est ingrat. Tu as ruiné cette fille. Tu as transformé cette fille. C'est toi qui as transformé cette fille-là. Tu viens dire toutes les choses que tu faisais. Tu viens dire que c'est Michel qui le faisait. Tu oublies que j'étais avec vous. Michel m'appelait. Je restais avec vous au téléphone. Un homme qui parle plus qu'une femme. La femme est fatiguée, elle veut dormir. C'est ce que j'ai dit ici avec Boboko aussi. Le jour que Fondia va mettre son pied au pays, quand il va revenir, vous allez voir. Le gars s'y a manipulé. Et on a les amis en commun. Il a manipulé Michel pendant longtemps, utilisé Michel. Où c'est le bobet qu'il avait donné à Michel? Quand Michel a mis ses pieds au pays, après combien d'années? Dès qu'elle a mis ses pieds au pays, quand elle est revenue, c'est comme si elle voyait le diable devant lui, devant elle. C'est comme si elle voyait le diable. Tout ce qu'il avait fait sur elle est parti. Michel était l'ombre d'elle-même quand elle était avec ce monsieur. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, la semaine-ci, on est à Bordeaux. Il est au volant, c'est lui qui l'accompagne. C'est lui qui choisit les villes où elle doit partir work. Écoutez bien. C'est lui qui choisit là où elle doit partir work. C'est lui qui choisit les appartements. Quand il vient dire que Michel lui doit, que Michel a laissé avec les dettes, c'est du n'importe quoi. Antoine, tu sais très bien que tu as voulu manger l'argent. Tu as mangé les argent des acédiques. On ne mange pas l'argent de l'État. Tu ne peux pas faire que tu touches la CAF. Tu as les chèques qui passent de 5 000 euros dans ton compte, 2 000 euros dans ton compte, 3 000 euros, 1 000 euros. Entre-temps, tu manges l'argent de la CAF. Tu viens dire aujourd'hui que c'est Michel qui t'a laissé dans les dettes. Quand elle amenait ces chèques que ces gens lui donnaient, elle te donnait, tu mettais dans ton compte. Ce n'est pas ça. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Que jusqu'aujourd'hui, tu continues à pleurer. Que jusqu'aujourd'hui, si Michel dit que c'est bon, vous vous remettez, tu es prêt. Il faut dire ça aux gens. Parce que moi-même, tu m'as appelé plusieurs fois pour me dire que ta femme te manque, qu'il faut que ta femme revienne. Tout le monde a vu hier, les gens qui connaissent. Et qui t'ont connu et qui te connaissent ont vu hier que même la bouche séchait. On sent que même la manger, il n'y a plus. Ton puits a fermé tout. Avant de connaître Michel, tu as entendu hier, tu as dit que Michel, c'est une fille que. Parce que Michel, qui ne connaît pas Michel, tout le monde parlait d'elle. Tu as entendu toutes ces mauvaises choses qu'on disait que Michel faisait. Ça n'était pas empêché de partir draguer et sortir avec elle. Même comme ça, tu es parti. Ça veut dire que toi-même, tu étais le diable. C'est toi le vrai diable. Parce que tous les secrets que tu viens parler là, c'est les choses que toi, tu faisais. Tu as contacté la troisième copine là. Tu l'as contactée ici à Rouen. Quand tu as appris que je suis avec mon gars, tu as contacté la fille là ici à Rouen. Tu as commencé à causer avec elle. Malgré que j'étais avec vous. Parce que ta sortie que tu fais là, c'est parce que tu as entendu que tu as envoyé les voix aux gens pour dire que j'ai dit que Michel, c'est une menteuse, c'est elle qui a commandé le gâteau. Tu as cru que je vais. Donc, elle est free. Elle est à battre. Parce que depuis que j'étais avec elle fort, fort là, tu ne peux pas sortir sur elle. Parce que tu connais que je connais votre histoire. Combien de fois, moi, j'ai intervenu, j'ai même appelé la police, que Michel est en train de dormir. Est-ce que tu as dit aux gens que Michel dormait souvent dans la cave? Est-ce que tu as dit aux gens que Michel dormait souvent dans la voiture? Parce que tu la saoulais souvent avec le bavardage. Est-ce que tu as dit ça aux gens? Il faut dire ça aux gens. Hein? Il faut dire aux gens les misères que cette fille
a subi avec toi. Quand tu as filmé la valise rouge de Nkwara Cole Valérie Amougou, c'est Michel qui avait filmé pour m'envoyer. Quand tu m'as appelé pour me dire que voilà, elle a invité les femmes là ici chez toi, les femmes là sont venues chez toi, tu ne voulais pas. Ce n'est pas toi qui m'avais parlé de ça. Est-ce que c'est Michel qui m'avait parlé de ça? Ce n'est jamais Michel qui m'avait parlé de ça. C'est toi. Quand tu as filmé la valise de Nkwara Cole pour me montrer. Il faut dire aux gens la vérité. Michel est parti dans son pays natal. Elle est rentrée. Elle a vu les réalités. Elle a compris que avec toi, ce n'était pas la peine. Moi, tu m'as appelé ici plusieurs fois. Puis Michel ne veut pas aller travailler. Jusqu'à tu t'es énervé. Tu t'es fâché. Tu me dis que ma belle-mère, Michel ne veut pas aller travailler. Elle passe son temps à dormir. Vous entendez? Un homme qui dit que sa femme ne veut pas aller travailler. Elle passe tout son temps à dormir. Même le corps se fatigue un moment. Même le robot, un moment, il tombe en panne. Même le robot, un moment là, même les cordes du robot là commencent à nyangami dedans. Tu crois qu'elle était quoi? Quand on dit dans la vie, tu es un ingrat. Michel, ta mère a été malade, Michel a soigné ta mère. Ta soeur est décédée, Michel a fait le deuil de ta mère comme ça. Toi-même, tu as commencé à insulter les enfants de ta soeur, les traiter de bâtards. Toi-même. Ta famille t'a tourné le dos que non, la fille là. Puisque tout le monde sur la toile, c'est que Michel est généreuse. Si je vous parlais de générosité, c'est parce que pour sa famille, elle en a fait. Chaque fois que j'allais au pays, je descendais avec toujours un cadeau qu'il venait me donner pour aller donner à sa famille. Pas à la famille de Michel. Hein. Pas à la famille de Michel. Hein. À sa famille, à lui. Que qui payait, qui travaillait pour ça, Michel. Quand les gens viennent s'asseoir, on dit que wow, Ayop, 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 Ayop là. Il faut savoir pourquoi est-ce que vous dites Ayop. Dans la vie, ne soyez pas ingrat. Je suis reconnaissante envers ce qu'elle a eu à faire pour moi. Oui, je suis une mendiante, il n'y a pas de problème. Mais je suis reconnaissante envers elle. J'ai eu soif un jour, elle m'a donné l'eau à boire. C'est important pour moi. Moi, je vois d'abord ça. Je ne vois pas tout de suite d'abord le mal. Je vois le bien qu'elle a eu à me faire. Et c'est ce qui dépasse à beaucoup de personnes. Ce monsieur n'a pas de cœur. Il est inadmissible que tu viennes dire au monde que tu as été avec elle. C'est au moment que ça ne va plus aujourd'hui que tu viens de sortir les conneries que tu viens de sortir là. S'il faut qu'on arrête, Michel, tu es complice. Vous avez travaillé ensemble. Vous avez travaillé ensemble. Il y a des moments que la fille autrui même, il y a des choses qu'elle ne voulait même pas faire. Parfois, est-ce que tu sais qu'elle se cachait même? Elle m'appelle, je t'entends en train de parler au téléphone avec mes ennemis même. Est-ce que tu sais que Michel faisait souvent ça? Elle me dit, ma mère, voilà ça, tu as dit que tu ne veux plus qu'on parle avec telle personne. Voilà ça qu'il est en train d'appeler là-bas, là, moi j'écoute. Elle me dit, je ne veux plus que tu dises que